d'où vient le magma qui est rejeté par les volcans? Je pense que vous imaginez qu'il vient du centre de la Terre, très profond. C'est mystérieux, c'est l'enfer, c'est le domaine de Vulcain. Effectivement, ce centre de la Terre, en fait, on le connaît mal. On n'y est jamais allé, même si Jules Verne a imaginé un voyage au centre de la Terre. Et en fait, on va se rendre compte que le magma, sa genèse, ce n'est pas si simple que cela. Alors, on va s'intéresser à la Terre, une planète toute ronde. Donc, on va en dessiner seulement une portion. Voilà une portion de Terre. Donc, en gros, je pars de la surface 0 km et le rayon moyen, c'est 6 370 km. Et cette Terre, elle est connue grâce aux géophysiciens qui ont fait des mesures, notamment par les ondes sismiques. Et on sait que la Terre contient un gros noyau. La limite est à 2 900 km. Et à l'intérieur de la Terre, au centre du noyau, on a calculé que la température était énorme. Elle fait environ 5 000 degrés. Alors à cette température-là, bien sûr, toutes les roches fondent. On s'est dit, bon, ben là, il fait très chaud, donc tout est fondu. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que la température est certes très forte, mais la pression également, et la pression s'oppose à la température. La pression s'oppose à la fusion. Donc, paradoxalement, le centre de la Terre est solide et dur comme de l'acier. Alors, c'est encore plus complexe, puisque, en fait, le noyau est divisé en deux, un noyau externe et un noyau interne. Donc, tout ça, c'est le noyau. Le noyau interne, effectivement, est solide, comme je viens de le dire, mais le noyau externe est liquide, parce que la pression n'est pas suffisante pour s'opposer à la température. Par contre, au-dessus, nous avons le manteau, et puis en surface, une petite croûte épaisse d'environ 30 km, donc je la dessine plus grosse qu'elle n'est en réalité, à cause de l'échelle, mais sinon on ne la verrait pas. Donc là, j'ai une croûte, épaisseur 30 km. Et croûte et manteau sont solides. Tout ça, c'est du solide. Donc, première chose, le liquide du noyau externe ne peut pas arriver en surface car barré par cette immense barrière de 3 000 km constituée par le manteau et par la croûte. Et d'autre part, les géophysiciens ont également montré que vers moins 100 km, eh bien, on a ici une zone très particulière qui ralentit les ondes sismiques, donc une zone bien mystérieuse. Elle a été appelée LVZ, donc c'est les initiales anglaises, ce qui veut dire Low Velocity Zone, ce qui veut dire une zone où les ondes sismiques ont une vitesse faible, ou en tout cas moindre. Et pourquoi? Ben parce que justement, au niveau de cette zone, eh bien, température et pression s'équilibrent quasiment, et donc on a un début de fusion, c'est-à-dire qu'on a tous les kilos de manteau, quelques milligrammes ou quelques centigrammes, quelques grammes de liquide. Donc, la zone intéressante pour nous, volcanologues, eh bien, c'est celle-là. C'est cette LVZ, donc je vais grossir cette zone-là, et on va refaire donc un fragment de terre, mais en prenant en compte uniquement la partie externe au-dessus de la LVZ à moins 100 km. Donc, toujours à peu près un tiers la croûte, à peu près à 30 km. Alors, tout ça, cette croûte et le manteau supérieur s'appellent lithosphère, ce qui veut dire en fait une sphère rocheuse. Ici, eh bien, j'ai mon début de fusion. Et par endroit, on va dire un peu privilégié pour le magmatisme, eh bien, la température est un peu plus forte, ou la pression un peu plus faible, ou bien il y a d'autres anomalies. Et donc on a vraiment une fusion, on va dire une fusion partielle du manteau, d'environ quelques pourcents, et se forme un peu de liquide, du magma. Ce liquide, il est plus léger que l'encaissant, plus léger que la roche. Et s'il y a quelques fractures géologiques, eh bien ce liquide va se mettre à monter. Oh, bien sûr, la montée ne va pas être facile. Il va s'arrêter, il va être barré par des failles, il va reprendre, etc. Mais il va monter petit à petit. Mais souvent, au niveau de la limite croûte-manteau, il est bloqué parce que la géologie change, c'est une frontière naturelle. Et donc le magma s'accumule. Alors, soit il peut rester là, cristalliser, et former des roches profondes appelées roches plutoniques qu'on verra plus tard lorsqu'on aura une érosion suffisante, ou bien le magma stagne et forme dans une sorte de chambre magmatique, une forme parfois un peu en méduse, voilà, donc la chambre magmatique, dans laquelle le magma séjourne, se repose, se transforme.
Puis un jour, eh bien, le magma enfin va repartir, va remonter, peut-être qu'il va s'arrêter dans un petit réservoir, puis de là il repartira, il va sortir et enfin l'éruption a lieu, le magma jaillit, le volcan est né et le trajet du magma en fait n'aura pris que 100 km la distance Paris-Orléans.